Hoyo Minasan, c'est Gunsho, et aujourd'hui on se retrouve pour du Final Fantasy Type 0. Donc suite au dernier épisode, on était arrivé ici, je pense que c'est pour retourner à la surface, enfin j'espère bien, parce que mon dernier épisode dans la brume, franchement j'apprécie pas trop. Donc voilà, donc c'est parti, allons-y. Ok, on va sauvegarder, je sais que, hein, on sait jamais hein. Je sais que j'ai déjà sauvegardé, mais je veux bien être sûr. Comme ça au moins, pas de soucis. Putain, on a exaltation totale. Tomerley. What? What? C'est quoi ce garde? Putain, vas-y, il va me saouler lui. Voilà. Merde. Tu meurs ? Je crois que je vais speeder. Voilà, je trouve la barre pour te tuer. Non mais pas... Je vais activer ce machin là. Voilà. Ouais, c'est quoi qui me... Ça met du temps à s'évaporer machin. Ouais.
Putain, mais. Non, mais, sérieux là? Putain, je gueule. Je crois que ça passe à travers ou quoi? What? Pourquoi j'ai attaqué ce machin, moi? Allez, ah, enfin, je suis sorti. Alléluia. Je suis sorti, je suis dehors. Oh, tu es le Edlon, j'ai réussi à le défoncer. C'est vrai. Quoi, déjà victoire? Déjà fini?
bûche. Ok. Fini. Changer un peu les personnages, hein. Un petit peu les faire tourner, hein. Oui. Merde, sauvegarde. Je peux te faire mal! Je veux juste te capturer! Efficace, hein. Ça c'est efficace. Bon, c'était pas ça qu'il fallait affronter. On va faire parce que c'est pas ça que je cherchais. Allez, filez-moi un commandant là, à tuer là. Je crois que je dois capturer les trois autres villes en fait, je pense. Enfin, je sais pas, mais je pensais ça, ouais. くれてやる。
Ouais, je vois, stopper. Voilà. Loé et la Fény. On va continuer, tiens. Quoi, elle était tout, ils sont fait défoncer, sérieux? Ah ouais, faut que je parle à lui. Okay, non mais, c'est bon là, oh! Hey. Un kit de survie! Focaliser sur lui alors. Jacques passé niveau 30. Oh. Niveau 30. Ouais. Wesh ma gueule. Ah putain, je... Mais t'avais pas trouvé. Elles sont tonifiantes. Comme ça, personnage raise. Et on va prendre 8. On va changer un peu aussi. Alors, raquette. Voilà. Un plastron anti-perforation. Ouais. Ok. Un parf. Ouais. Hop. Sauvegarder ça. On va l'équipement. Est-ce que. Non. Il n'y en a pas. 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 Putain, ils ont pas de costume, les autres. Sérieux. Grand blé, ça donne quoi déjà ça? Point d'endurance 10, 8%.
plastron réduit les dégâts profonds de 40%. Pourquoi pas? C'est quoi ça? Augmente PM et magie de type 4. Je crois qu'il y a un truc qui est mieux, non? Augmente la magie de type 8. Ouais. Je suis pas pointu. Ah, ça serait pas mal pour elle. Allez, je l'avais là. Elle est où? Elle est où? Un truc augmente les 20 PM, ça c'est pour les PM. Peut-être pour elle, ce serait mieux. Merde. Ok. Oui. Ah, dans ce point. Tout ce qu'il faut. On va mettre ça. Triple esquive.
infini, comme ça je peux esquiver tout le temps avec elle. Ça c'est pas mal. Voilà. 12 points. Esquive à 8. Ça peut être pas mal. 4 points. Je crois que j'ai un truc à 4 points. 12, 12. Ah si. Feu vampirique. On va équiper ça, changer. Queen, putain, 21 points. Devant max et l'esquivabile. Que la foudre, j'utilise pas vraiment beaucoup. Je crois que je vais changer. Je vais mettre une compétence. Sphère d'énergie. C'est quoi ça? Créer des sphères d'énergie lentes, se mettre diviser en 3 pour l'outil rapide. S'approche entièrement de la cible, dépenser ses propres PV pour créer et maintenir une zone qui régénère les PM. Je préfère ça. Je préfère ça, oui. Ok, ok. Merde! Putain! Sort final type 1. Point. Canon laser. Hop. 9 points. Points. putain, c'est vrai que passer niveau 38. La petite puissante. Voilà, nouvelle compétence. Rupture de coup réduit. Ok. Compétence. Concentration renforcée. Ok, d'accord. Intense. Rouge un éclair ennemi, pourtant une marque fatale, il donne un coup de grâce. Ok. Six points, je vais pas loin. Ouais. Voilà, alors Deuce. Esquivabile. Acrobatie éclair. Ben, on va faire ça, ce sera mieux. Et tac tac tac, 3 points, y'a pas assez. King, 9 points. Je crois que la balle XP, je vais la changer parce que je sais pas. Je trouve que c'est pas vraiment si puissant que ça en fait. Augmente la taille totale des chargeurs de 12 à 12. Voilà, si c'est juste pour ça, je sais pas. Ça m'a l'air un petit peu de la merde. Hein. Enfin, si ça augmente les trucs, mais est-ce que c'est une compétence passive ou une compétence? Faut quand même la prendre, je mets. Ah, là, c'est une passive. Ok, ça va. C'est pas de la merde, on va dire. qu'il faut que je retourne dessus. T'as glissé. Protecteur. Ok, donc King, on va changer sa compétence balle explosif pour chargeur explosif. Ouais. Ok.
ça, des robots permet de faire des skis automatiques au prix de PM. Ok. Peut être utile si on a beaucoup de PM. On va sauvegarder ça. On va voir quand même ça si je peux améliorer. Non. Niveau feu, on peut pas. Niveau glace, non. Niveau électricité, ici on peut pas. Si on peut augmenter l'incantation, je crois que ça perd du rendement, mais il sera plus envoyé plus rapidement. Ok. La défense. Lima verte, rendement. Incantation. Je peux pas améliorer. On va pas améliorer ça parce que ça. Je sais pas. Après, je peux en incantation. C'est pas productif. Bouclier. Je peux augmenter en rendement, incantation, en durée. Bon, ça a peur du rendement, mais je récupère de la durée. Ça peut être intéressant. Quand là je perds du rendement, je récupère la rotation. Ok. Spéciaux, j'en ai pas. Ok, d'accord. Bon, ben c'est parti. Hein. On va faire ça. Tac, tac. Ok. Ok, ok, d'accord. Je reviens, je vais faire une courte petite pause. Je reviens après. Et finalement, en fait, sera la fin de cet épisode. Donc voilà, donc likez, partagez, et on se retrouve dans 4 jours pour la suite de Final Fantasy Type 0 HD. Donc voilà, c'était Gunshow. Bye bye.